ça n'est vraiment pas une surprise, on s'y attendait. De toute manière, M. Giraud de Langlade va occuper sa retraite, ne vous inquiétez pas. On aurait d'abord souhaité que le ministre ne le condamne pas avant qu'une juridiction se soit prononcée. On aurait ensuite souhaité que nous ayons droit, comme tous les fonctionnaires, à une audience. Le plus petit gardien de la paix, et je le dis avec respect pour la fonction, El Kepi, a droit à une audience disciplinaire, et un préfet, non. Il est révoqué, il est mis à la retraite, comme ça. On a l'impression que les préfets sont les valets de la République.